Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo DIY spéciale Halloween. Donc on va commencer aujourd'hui avec le premier DIY qui est notre petite guirlande en forme de fantôme. Alors pour ça, il vous faut une guirlande électrique à boule en papier de préférence blanche, du papier crépon blanc ou du tissu blanc, un feutre noir, des élastiques transparents ou de la ficelle blanche. Donc pour commencer, vous découpez donc du tissu ou du papier crépon de la taille, des morceaux de la taille que vous voulez, mais qu'ils soient tous de la même forme et donc de la même taille. Ensuite, on met les petites boules de la guirlande donc, dans le papier crépon pour faire la forme de nos petits fantômes. Pour fixer le tout, on y ajoute un élastique transparent ou un morceau de ficelle. Ça, c'est vous qui voyez. Donc la ficelle, je pense que c'est plus facile que l'élastique transparent parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu galéré aussi avec les élastiques. Puis il faut faire attention qu'il ne casse pas non plus. Ensuite, on découpe le morceau du papier crépon pour que le fil de la guirlande puisse passer correctement, sinon ça fera pas vraiment joli. Donc on fait ça de chaque côté. En fait, surtout attention de ne pas découper le fil électrique, ça serait dommage de tout casser maintenant. On recommence ainsi de suite jusqu'à obtention donc de notre guirlande entière. Donc voilà ce que ça donne quand on a terminé donc la guirlande. Ensuite, vous prenez votre feutre noir et on va y dessiner les yeux et la bouche de nos petits fantômes pour les rendre un peu plus réels. Alors faites attention de ne pas trop appuyer sur le papier crépon parce que le papier crépon ça transperce un peu, ça serait dommage quand même d'abîmer votre belle petite guirlande. Et voilà, donc le premier DIY est terminé, notre petite guirlande n'a plus qu'à être accrochée. Ensuite, le second DIY, il s'agit donc d'un glaçon en forme de main, tout simplement. Je trouvais ça vraiment très sympa pour décorer un saladier de cocktail pour une soirée Halloween, par exemple. Donc pour ça, il vous faudra donc un saladier avec le cocktail à l'intérieur. Bien sûr, le cocktail, je vous le mettrai en barre d'infos parce que j'ai pas eu le temps de vous le filmer. Ensuite, il vous faut un gant de chirurgien en plastique que vous allez remplir d'eau tout simplement, et ensuite vous mettez, donc vous fermez le gant, moi j'avais fermé avec un petit élastique comme vous verrez tout à l'heure, vous mettez le gant donc au congélateur et quand il est devenu glaçon vous pouvez le démouler pour le mettre dans le plat. Donc voilà, moi j'avais fermé au préalable avec un petit fil de fer, vous savez, pour les sacs de congélation, mais ça a pas tenu, ça a fui, donc j'en ai remis un, mais j'ai remis un élastique. En fait, pour les cheveux, c'était beaucoup mieux et ça tenait beaucoup mieux. Ensuite, par contre, pour le démouler, malheureusement, vous devrez couper le gant, vous ne pourrez pas le récupérer parce que c'est impossible de le démouler comme ça. Donc surtout, s'il y a des enfants parmi vous, faites-vous aider de vos parents. Et donc ensuite, il faut faire attention quand vous le mettez au congélateur que les doigts ne se touchent pas parce que, comme vous pouvez le voir, au démoulage, j'en avais deux qui se touchaient et j'en ai cassé un. Bon, c'est pas très grave. Halloween, c'est aussi des mains découpées, donc c'est pas bien grave. Hein, ça fait pas non plus super moche, mais bon, c'est un peu dommage quand même. Et donc voilà, notre petit DIY est terminé. Pour ce qui est du cocktail, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc notre dernier DIY, il s'agit de ballons lumineux pour un effet fantôme. Donc après, vous le décorez comme vous voulez, hein, suivant vos envies.
Donc pour cela, il vous suffit d'avoir un feutre noir, des ballons blancs et des petits bâtonnets lumineux. Vous savez, c'est les bâtonnets pour faire des petits bracelets ou colliers lumineux pour les soirées. Donc moi, j'ai pris du vert fluo. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Mais je trouvais que vert fluo, c'était plus sympa. Par contre, moi, j'en ai mis qu'un dans le ballon. Et je pense qu'il faudrait mieux en prendre deux ou trois pour que ça éclaire vraiment bien toute la soirée, parce que un seul, c'est pas assez. Donc ensuite, vous gonflez un petit peu le ballon, donc ne faites pas comme moi. Moi, j'ai juste galéré à mettre le bâtonnet à l'intérieur après, donc gonflez-le un petit peu, mettez le bâtonnet et regonflez-le ensuite. Ça sera plus simple pour vous. Ensuite, on gonfle tout, on fait le petit nœud au ballon. Et donc ensuite, on prend le feutre noir et on dessine des yeux, une bouche à notre petit fantôme. Après, vous dessinez comme vous avez envie. Moi, je les ai fait comme ça parce que c'était plus simple et plus rapide. Mais après, vous faites comme vous voulez. Et voilà, notre dernier DIY est terminé. On pourra donc éclairer nos petites portes la nuit d'Halloween. Donc voilà, la première vidéo Halloween est terminée. Vous en aurez donc une la semaine prochaine et une le samedi d'Halloween. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse fort. Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo haul. Comme je disais dans ma dernière vidéo, donc de mercredi, je voulais vous faire en haul parce que j'ai acheté pas mal de choses pour l'automne.